Salut à tous, regardez ces images, les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Pour vous commenter ce match, bien sûr, Hervé Matou, c'est moi, et Pierre Ménès, c'est l'autre. Les joueuses qui sont prêtes, nous aussi, pour ce match qui certes est amical, mais qui est important tout de même. Les rencontres internationales le sont. On a hâte que ça commence, Pierre et moi. Mon petit Hervé, merci pour cette intro, merci de m'accueillir à tes côtés. Et je nous verrais bien assister à un grand match de foot aujourd'hui. Les titulaires de l'équipe suédoise qui vont disputer cette rencontre. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Position de l'autre équipe maintenant. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. L'occasion pour prendre les devants. Le tacle glissé. Dans la surface, c'est risqué, hein. Christina Blackstenius. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Terrible ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, dans le trou. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score, déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Et tout est parti de ce contre avec une joueuse qui file toute seule le but. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il y a beaucoup d'espace devant. Allez, il faut centrer. Et on a dégagé pour écarter le danger. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ouais, bon arrêt sur cette tête.
Ça part bien, action dangereuse. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon dégagé finalement, corner à suivre. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Personne dans le couloir pour gêner cette action. En position idéale pour centrer. Il faut trouver une ouverture. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. C'est un ballon perdu. C'est finalement un ballon perdu. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, le but sur la gardienne. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Allez, c'est donné par-dessus. Peut-être l'égalisation. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et ça va donc être un corner. Le corner qui est joué court. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, ça sort, touche. Ouais, l'interception. De Lénard au feu. Oh, le bon ballon. Ouais, c'était pas loin, mais c'est au-dessus. Le bon coup d'œil. Un hors-jeu, elle est partie trop tôt. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Ouais, bien donné ce ballon. Et corner, hein, ça devenait un petit peu chaud. On voit ralentir cette grosse occasion. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est sauvé in extremis. Pratiquement sur sa ligne.
Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, il faut centrer. C'est contré. Le corner, le ballon en pleine surface. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouh là là, ça s'est joué à rien. La passe aérienne, pas mal. Peut-être l'égalisation. Et c'est le but. C'est l'égalisation. Les voilà qui reviennent dans la course. Le ralenti le montre bien, la situation dite du 2 contre 1 est parfaitement exploitée. La porteuse du ballon fixe la gardienne avant de donner à sa partenaire. Pendant ce temps-là, les défenseuses se regardent. Et voilà donc à égalité un but partout. Ouais, on passe par les côtés. La faute et le coup franc au bénéfice des Suédoises. Christina Blackstenius. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui change de possession. Allez, l'occasion de passer devant. Bon, attention, c'est pas fini. Belle série de passes là, on est en phase de préparation avant de piquer. Ouais, la tentative, bien repoussée par la défense. Allez, le centre maintenant avec un tir. Elle vient encore faire écran sur ce tir. Le ballon récupéré sur cette intervention. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Ah, le ballon qui sort et nouveau corner donc. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Allez, ça sort, ce sera un corner.
Le corner en direction du point de pénalty. C'est manqué cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Un bon centre, mal exploité finalement. Le centre était bon pourtant, c'est mal exploité. Ça, c'est pas très bien joué. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bonne interception. Il y avait vraiment danger. Ça sort, c'est une touche pour les Suédoises. La gardienne qui éloigne le danger. Stina Blackstenius, le ballon qui change de camp. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. On s'approche de la zone de vérité. Alors le ballon est perdu. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, il y a du monde au second poteau. Et c'est un corner. Les grands gabarits qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. Oh, c'est contré ce tir. Et bien voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Ouais, rappelons que c'est un match amical, on va voir si le rythme change en seconde période, et puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner. Allez, tout le monde est revenu du vestiaire, c'est reparti. Bon, est-ce qu'on va continuer sur ce rythme de fou ou est-ce que ça va se ralentir? En tout cas, j'espère que ça va continuer de plus belle. Obligé d'envoyer ce ballon en touche à cause du gros pressing de l'adversaire, efficace. Frida Lena Rolfe.
Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, la bonne qualité de ses passes. Oh oui, encore une bonne passe. Allez, il tente la petite passe aérienne. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ouais, lumineuse cette passe. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti. Mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus. Hein. Pas terrible ce ballon. Ah, la passe en profondeur, attention. Attention! Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Le corner en direction du point de pénalty. C'est dans le paquet. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Et ça continue, recorner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un gardien qui dégage du point. Ah, c'est une touche. Alors, sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Attention, c'est clair semé derrière. Un perdu. Perdu bêtement. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ouh, il était temps là. Il était temps. Ouais, elle peut lancer le contre. La passe est interceptée. Christina Blackstenius. Perdu. La voie est libre. Elle la voilà la frappe. Et la gardienne qui est sur la trajectoire pour capter ce ballon. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Allez, elle lance le contre. Ah, c'est terminé, un coup de poisson un petit peu cette contre-attaque. Quelle maladresse sur la fin. Bah, c'est sûr que nous, on l'aurait mis au fond sans trembler, hein, Hervé. Toi, je sais pas, mais moi, oui. Ouais, c'est possible.
Ah, il fallait tacler, bien joué. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Allez, ça joue vers l'avant. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Marquage trop laxiste. Attention. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, elle a un bon coup à jouer sur cette action. Non, elle est interceptée cette passe. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Peut-être la passe levée. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'est propre ça. Ça, c'est donné à l'adversaire. La défense qui récupère. Ouais, bien donné ce ballon. Ouais, c'est dégagé une fois de plus. Et un corner qui peut donner à ses joueuses l'occasion de prendre l'avantage. On va tenter quelque chose dans cette équipe avec deux changements simultanés. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Allez, il tente la petite passe aérienne. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Ah, une phase de possession en attendant la faille. Ouais, le tacle et le ballon qui sort en corner. On revoit encore une fois cette action. On n'était vraiment pas loin du but. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Avec un tir. Intervention de Lindahl.
Ouais, touche suite à cette déviation. Toujours ce match nul, rien n'est fait. Allez, il faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. La passe est interceptée. Ouais, une fois de plus, ça n'ira pas plus loin. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il donne un ballon piqué. Ouais, la bonne intention. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Allez, après tout, pourquoi pas. Attention à cette action. Bon, ça c'est très bien joué de la part de la gardienne. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Alors le ballon est perdu. Allez, faut s'appliquer, ça peut être décisif. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ouais, superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. Et la touche, hein, concédée avec ce gros pressing de l'adversaire. Allez, peut-être une bonne touche là. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, le bon arrêt là, qui éloigne le danger. Ce corner qui est d'une importance capitale. Au bout, il y a peut-être le but de la victoire. Corner, le ballon en pleine surface. Ah non, ça sort, ce sera donc un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est manqué, cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon, du coup ça passe largement à côté. Allez, ça part devant, le match qui est peut-être en train de se jouer. Ouais, belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment. Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Allez, un corner pour marquer dans les derniers instants. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Ah, tout le monde tremble hein, sur cette attaque parce que ça va se jouer là. Ouais, la frappe. Ça passe vraiment très près. Hein. C'est un but qui aurait fait toute la différence. Ah, le mieux, c'est de pas trop y penser, justement.
Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ouais, c'est un bon ballon. Peut-être la balle de match. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Oh, c'est un peu désespéré comme tacle. Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Ouais, à cette distance, c'est déjà un exploit. Hein. Finalement, c'est mal jugé. Et ce coup franc passe au-dessus de la barre. Ce coup franc qui est trop enlevé. Alors, match nul à l'issue des 90 minutes, est-ce qu'on va en rester là ou pas? C'est donc reparti ici. Oui, on va vivre la prolongation. Bah, moi, j'adore ça. Il y a du stress, de la fatigue, des fautes techniques. Moi, je me régale. C'est mon petit côté vicieux là, dans ces moments-là. On est perdu. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Pas tellement de solutions. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Personne dans le couloir pour gêner cette action. En position. Oh, le bon ballon! Eh oui, il y est! Et l'arbitre va refuser ce but pour hors-jeu. C'est bien ce qui me semblait au départ. On voit l'action ralenti. Oui, Hervé, il y a bien hors-jeu. But refusé, c'est logique. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, il faut venir défendre là. Ah, la défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. Ah, un bon ballon d'attaque. Il faut trouver une option disponible. Et la gardienne qui récupère ce ballon. Un petit peu pressé sur ce ballon. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ah, la passe en profondeur, attention. Ouais, c'est bien donné ça. Bon, attention, c'est pas fini. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Ah, elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation, quelque chose de musculaire. Un ballon récupéré par l'adversaire. Elle part en contre. Ça peut donner quelque chose, ça. Et la Suède qui marque. Tout est parti de ce contre avec une joueuse qui file toute seule au but.
Et 2-1 donc maintenant. C'est un ballon perdu. La passe est mal assurée. C'est une interception. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Seulement une minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Et la fin de la première prolongation. Et il n'y aura pas de mi-temps, on va juste changer de côté. Et c'est parti pour celles qui seront les 15 dernières minutes du match, quoi qu'il arrive. Il va bien falloir que les deux équipes se départagent d'une manière ou d'une autre. La bonne protection du ballon, là, bien campé sur ses jambes. Ouais, perdu bêtement. Attention à cette perte de balle au milieu. Les 30 derniers mètres. Quel arrêt sur ce missile. Très bel arrêt. Et ça va donc être un corner. Le corner qui est joué en deux temps. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Le ballon, une fois de plus, qui sort en corner. En deux temps, peut-être ce corner. Ce sera une touche. Oui, le centre, peut-être. Ah, c'est mal défendu, ça. Oui, c'est même pas défendu du tout. Hein. Penalty qui est transformé. On voit ce penalty ralenti. Elle a gardé son sang-froid. On voit ce but sous un autre angle. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Bonne récupération au milieu de terrain. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Et ce ballon qui est perdu. 8 minutes, hein, c'est le temps qu'il reste à jouer dans cette rencontre. Allez, ça part devant, le match qui est peut-être en train de se jouer. Et la voilà, la frappe. Ah, c'est contré. Ah, c'est complètement dévissé.
Un gros travail de protection du ballon. Belle passe en profondeur. Ouais, ça peut faire mal, ça. Mais la parade pour écarter le danger. Et tout le monde l'a voyé au fond, mais finalement, non. Le corner en direction du point de pénalty. Non, ça, c'est plutôt moyennement joué. Les 5 dernières minutes de ces prolongations. Allez, il faut s'appliquer, ça peut être décisif. Ouais, le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre, que de tension. Non, c'est contré. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Sous la pression de l'adversaire. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Ça peut donner quelque chose, ça. La tête, et oui, le but. Alors, on voit à l'instant, cette tête vient conclure un travail remarquable sur le centre, tout par delà en fait. C'est ce qu'on appelle un chocolat, Hervé. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ça fait donc 3-2, un petit but d'écart. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Ouais, rencontre sacrément indécise, mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lion et d'entente. Mentalement, c'était quand même solide.